Mr. Schloss, we are going to dive. Come in, Colonel. The water is magnificent. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, je vous présente mon armée de Prussiens de 1806. Donc, une armée ou un 72, principalement composée de figurines hâtes et un peu de italerie. Et du Waterloo 1815 pour les officiers. Voilà. Alors, principalement hâte parce qu'il n'y a que qu'on fait une gamme complète, à peu près complète, sur l'armée prussienne de 1806. Donc cette armée prussienne de 1806, bon, évidemment, elle est connue pour ses déboires face à l'armée française, puisqu'en une journée, elle a été vaincue en deux batailles, hein, à Iéna par Napoléon et à Auerstädt par le maréchal Davout, le maréchal de fer. Les débris de l'armée prussienne seront battus avec les Russes à Eylau, le corps de l'Estock. Cette armée prussienne de 1806, c'est une armée qui fonctionne encore sur le modèle de l'armée de Frédéric II, le Grand. Donc une armée qui avait été forgée par son père Frédéric I, le roi sergent. Donc c'est une armée qui manque de souplesse. Elle n'en est pas moins arrogante, mais son arrogance va le payer cher. Elle se croit la meilleure armée du monde, et en une journée, elle va devenir l'armée la plus humiliée au monde. Voilà. C'est une armée donc composée de, alors j'ai noté 60 régiments d'infanterie. Donc 60 régiments d'infanterie au sein duquel on trouve des mousquetaires et des grenadiers. Alors les grenadiers pour les batailles sont regroupés en bataillons. Il y a 27 bataillons de grenadiers. Ensuite vous avez des fusiliers, donc qui est l'équivalent de l'infanterie légère française. Vous avez 24 bataillons de fusiliers et plus 3 bataillons de Schutzen, de chasseurs, armés de carabines rayées. Vous avez même au sein des bataillons de fusiliers des Schutzen, des chasseurs armés de carabines rayées. Mais bon, tout ça, cette infanterie légère est beaucoup moins efficace que son homologue française. La cavalerie, vous avez 13 régiments de cuirassiers. Alors la cavalerie, c'est vraiment la fierté de l'armée prussienne. Donc vous avez 13 régiments de cuirassiers. Alors ils n'ont plus de cuirasses. Ils sont encore nommés cuirassiers, mais ils n'ont plus de cuirasses. Eux, c'est vraiment l'élite de la cavalerie prussienne, hein, comme chez les Français. Hein. 14 régiments de dragons. 10 régiments de hussards, et on a même un régiment de lanciers. Alors je vais essayer de prononcer ça en polonais, mais parce que ce sont en fait des polonais. Régiment Towarski, je sais pas, enfin bref, vous voyez bien. Donc, parce que vous avez évidemment, comme la Pologne s'est retrouvée partagée par ses trois puissants voisins, Russie, Empire d'Autriche et Prusse. Ben vous avez des Polonais qui servent un peu dans ces trois armées. Sûrement, enfin, beaucoup à contre-cœur, mais bon,
C'est comme ça. L'artillerie prussienne est mauvaise. Alors vous avez de l'artillerie de régimentaire hein, ou de, qui sont incorporées au régiment. Bon, ça c'est des fois c'est pris en règle dans, en compte pardon, dans les règles de Wargame. Ouais, elle est mauvaise. Donc mauvais, on va dire mauvais tireur, mauvais canon. Enfin voilà, c'est pas terrible. Donc cette armée prussienne, elle manœuvre en ordre mince, ce qu'on appelle l'ordre mince, c'est-à-dire en attaque en ligne, hein. Elle ne fait pas de l'attaque en colonne, comme par exemple les Français. Donc c'est une armée qui en 1806 est mal commandée, hein. Ses généraux sont très mauvais. C'est souvent d'ailleurs pris en compte dans les règles de Wargame, et si vous voulez refaire des scénarios, il faut prendre ça en compte. C'est un handicap, évidemment. C'est une armée qui est quand même dure à jouer, hein, parce que manœuvre mal, mauvais tireur pour son mauvaise artillerie, mauvais généraux. L'armée prussienne 1806, c'est un défi. Hein. Mais bon. Évidemment, ce n'est pas une armée de concours, hein, ça c'est clair. Mais bon, c'est pour faire les scénarios historiques, c'est quand même intéressant. Voilà, donc, que dire de plus? C'est une armée qui est haute en couleurs, hein, comme vous allez le voir. J'ai pris plaisir à la peindre, parce qu'il y a plein de couleurs. Chaque régiment d'infanterie a des couleurs différentes, chaque régiment de cavalerie aussi. Bon, les hussards, on n'en parle même pas. Alors, est-ce qu'elle est belle? Oui, elle est belle par les uniformes. Ce sont des beaux uniformes, bon, à part peut-être les grenadiers qui ont une coiffe vraiment assez bizarre. Une espèce de casquette surmontée d'une espèce de truc à poil, enfin bref, c'est pas terrible. D'ailleurs, je crois que j'avais lu quelque part que quand on leur a présenté leur nouvel uniforme, les grenadiers, parce qu'avant ils avaient une belle mitre comme les Pavlovs russes, hein, qui étaient en fait inspirés des grenadiers prussiens, quand on leur a présenté ça pour remplacer leur belle mitre dorée, il paraît qu'ils ont fait un peu la gueule, hein, ouais, parce qu'effectivement. D'un point de vue esthétique, c'est beaucoup moins beau. Mais voilà, sinon, c'est une armée qui a de beaux uniformes et de belles couleurs. Plus beaux que ceux qu'ils vont avoir ensuite quand l'armée va être réformée. Voilà, donc on va passer tout de suite à la présentation de mon armée. Alors, je vous affiche. La liste d'armées pour Bataille Empire, donc une liste à 300 points. Voilà, c'est toute mon armée prussienne peut me servir à faire une liste à 300 points pour Bataille Empire, ce qui est quand même une grosse liste d'armées. Ce qui concerne les autres règles que je pratique, donc commandant de Color, Jomini ou Kriegspiel Napoléon. Ça passe largement. J'ai de quoi faire tout un tas de scénarios possibles, quoi. Ça fait des grosses armées aussi. Donc, on commence par l'infanterie et l'infanterie légère, avec donc du fusilier et du chasseur. Donc, une unité de chasseurs. J'ai présenté récemment dans une revue de troupes. Donc armée de carabines. Leur rôle est bien sûr d'harceler l'infanterie adverse. Ensuite, trois bataillons.
De fusiliers, donc l'équivalent de l'infanterie légère côté français. Là, avant, avec les chasseurs, on est, disons, dans le voltigeur ou tirailleur, etc. Alors, le premier en rouge, j'ai pris des notes pour m'en rappeler. Donc, ça, c'est le régiment numéro 1. Enfin, là, pas le régiment, le bataillon numéro 1, Kaiserling. Alors, pour reconnaître les différents bataillons de fusiliers chez les Prussiens, c'était assez compliqué. Ça se situait d'abord, bon, aux couleurs, hein, de col, parement, revers. Donc là, rouge. Les autres, vous voyez, il y a bleu et noir. Et aussi au niveau de la dragonne. De là, qu'on voit là. Niveau de la code, la... Oui, c'est enfin, c'est pas une cocarde, hein, c'est... Le bouton sur le shako, là. Donc en rouge. Donc ça changeait selon les bataillons. Vous aviez des bataillons qui étaient pareils, en revers, en rouge comme ça, parement, revers et col, mais dont la dragonne est d'une autre couleur. Voilà. Donc ça, c'est là qu'on les différencie. Couleur des boutons aussi. Donc ça, c'est le premier. Kaiserling, donc premier bataillon. Ensuite, en bleu, c'est le numéro 4, bataillon numéro 4 de Greffenberg. Alors le premier, là, le Kaiserling était de levé du côté de Magdebourg. Et celui-là de Varsovie. Le numéro 4, Varsovie, ce sont des Polonais en fait. Vu que bon, la Pologne, si vous connaissez l'histoire, la Pologne avait été divisée en trois, entre la Russie, l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse. Donc la même chose. On trouve d'autres bataillons en bleu, mais la couleur de la dragonne change. Et le dernier, donc ça c'est en noir, c'est le 13e bataillon, Rabenow. Donc eux sont recrutés en Silésie, en Basse-Silésie. On a les couleurs des pantalons aussi qui varient. Ça, c'est la tenue de campagne. Vous avez les pantalons gris ou crème comme ça, c'est la tenue de campagne. En grande tenue, les pantalons sont blancs, avec guêtres. Voilà ça, c'était pour l'infanterie légère. Alors ensuite, les régiments d'infanterie. Donc on commence par les mousquetaires, on verra les grenadiers après. Donc les mousquetaires. Donc alors on a ce régiment. Là, c'est le numéro 13. Donc avec... Parement, revers et col blanc. Ça, c'est le distinctif de ce régiment.
Ensuite, on a celui-là. Donc, c'est le 42e. Donc, avec couleur distinctive orange. Celui-là, c'est le régiment numéro 29. Donc, distinctif rouge. Pantalon beige. Et le dernier, donc celui-là, c'est le 45e régiment. Donc là, jaune, distinctif, parement, revers, école. Voilà pour les mousquetaires. On passe aux grenadiers. Donc les grenadiers sont aux mêmes couleurs que les quatre régiments que je vous ai présentés. Sauf qu'ils formeront donc voilà, les bataillons pour bataille empire. On les mettra comme ça. Voilà pour les grenadiers de la ligne. Maintenant, on va passer à la cavalerie. Alors, les hussards pour représenter la cavalerie légère. De toute façon, c'était la cavalerie légère de l'armée prussienne, hein. Il n'y avait pas d'autres cavaleries légères en 1806. Alors, on commence par le. Alors, celui-là. Je vous dis pas de sottises. Je suis en train de chercher. C'est oui, bah c'est j'ai présenté en plus il n'y a pas longtemps. C'est le numéro 8. Je mets en numéro 8. Blücher. Donc avec ses couleurs rouges. Alors à savoir que à l'époque, la coiffe, on appelle le mirliton, était en cours de remplacement par un shako. Il y avait certains régiments de hussards qui commençaient à être équipés d'un shako. Donc les trompettes, hein, c'est pas comme dans la cavalerie française, les couleurs ne sont pas inversées. Là, c'est tout simplement des épaulettes qui distinguent la trompette. J'ai pas de trace non plus de que ça soit qu'il soit monté sur des chevaux de couleurs différentes chez les Prussiens. Donc ça c'est le premier régiment. Et le deuxième, c'est le numéro 4, Württemberg. Tout en bleu.
Voilà pour la cavalerie légère. On passe maintenant à la cavalerie de bataille, la cavalerie moyenne, les dragons. Donc, alors, le premier régiment, alors celui-là, avec ses distinctifs jaunes, c'est le numéro 11, Kraft. Et le deuxième régiment, donc avec ses distinctifs rouges, c'est le numéro 5, régiment reine de la reine Louise. Alors, ce n'est pas un régiment de la garde. Hein. Voilà donc pour cette cavalerie moyenne. Alors, on passe à la cavalerie lourde avec juste un régiment de cuirassiers. Peut-être qu'un jour j'en ferai un deuxième. Pour l'instant, il y en a un, ça suffit pour la liste. Celui-là, c'est le cuirassier numéro 8. Essing ou Essing, je prononce peut-être mal l'allemand. Voilà pour la cavalerie lourde. Alors après la cavalerie, pardon, l'artillerie. Avec 4 batteries, alors j'ai essayé de faire un compromis. Donc avec 2 pièces d'artillerie à cheval, en jouant juste sur la couleur du pantalon. Donc c'est des batteries de 6. Une batterie de 6 d'artillerie à pied. J'ai mis le pantalon d'une couleur différente. Et donc une batterie de 12. 12 livres. Donner un peu plus de punch à la liste. Donc uniforme bleu et vous avez les revers de veste par mon col noir. Enfin non, les revers de la veste sont en rouge. Voilà, ça sera l'artillerie. On passe à la garde royale prussienne. Donc avec les mousquetaires. Alors sans que c'était le régiment numéro 15, qui était le régiment de la garde. Donc avec les mousquetaires.
et les grenadiers. La différence au niveau de la plaque. De la coiffe qui est argentée, alors que ceux de la ligne sont couleur dorée, couleur laiton. Alors il paraît que les grenadiers prussiens ont fait la gueule quand on leur a présenté cette coiffure, parce qu'avant ils avaient une mitre. Hein, comme les Pavlov russes, qui étaient inspirés des grenadiers prussiens. Alors, retirer leur belle mitre pour leur donner cette coiffure. Pareil qu'ils n'étaient pas très contents. Faut dire qu'elle est un peu spéciale. Donc ça c'est pour l'infanterie de la garde et bon, la cavalerie de la garde sera représentée par les gendarmes, ceux-là même qui aiguisèrent leurs sabres sur le perron de l'ambassade de France à Berlin. Voilà. Et on va finir par... Alors l'état-major, ce sont des Prussiens de 1813, puisqu'il est impossible de trouver au 1,72 des généraux prussiens de 1806. Donc j'ai été obligé d'adapter, hein, de prendre ce 1813. Alors pour l'instant, j'ai que ça, il faudra que j'en fasse un général ou deux de plus. On va commencer par les généraux. Donc on est sur des uniformes assez... assez simples, hein. Et loin des généraux français qui avait beaucoup de broderies. Et donc, le vieux Blücher, hein, avec sa pipe, que j'ai accompagné d'un garde du corps. La garde prussienne, évidemment. Voilà. Donc fin de cette présentation de cette armée prussienne 1806. Ben voilà, d'ici là, j'allais dire. Voilà, donc fin de cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et à bientôt.